Donc, salut tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais jouer à Prominence Poker sur Xbox One. Donc, c'est un jeu de poker gratis à Xbox One, Poker Texas Hold'em, donc deux cartes dans les mains. Comme j'ai dit, le jeu est gratis, c'est à Xbox One. Tu peux mettre de l'argent dans le jeu, acheter plus d'argent de jeu, mais tu peux jouer sans payer comme moi. C'est juste que si tu te ramasses à 0, 0 dollar, ben là, faut t'attendre des bonus quotidiens pour gagner de l'argent ou que tu payes pour acheter de l'argent. Comme ça, je pense que c'est mes jetons quotidiens. Je ne veux pas aller à la boutique, je n'achète rien. Donc, moi, je joue en ligne. J'ai combien d'argent? J'ai 29 351, c'est marqué en bas à droite. Donc, tu sais, j'ai pas le goût de tout mettre mon argent pour plus pouvoir jouer, donc. Je pense que je vais y aller à 1000. Tournoi, non, tête à tête. Je préfère ring. Comme ça, si t'as plus d'argent, ben, tu peux en remettre ça à la table. Tournoi, si la minute t'as plus d'argent, ben, t'es éliminé. Ouais, je vais faire de même. Parce que des fois, dans les tournois, le monde font juste faire all-in direct en partant. Un coup que là-dedans aussi, là, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Ça dépend pour qui. Pour moi, ça me fait chier. Quelqu'un qui fait tout le temps all-in, là, ouf. Ben, ça dépend. Quelqu'un qui met tout le temps une pièce all-in, all-in, parce que tu sais, il est sur le bord de se faire éliminer. Ok, mais tu sais, quelqu'un qui a full d'argent sur le jeu, puis là, ok, je fais all-in, je fais all-in, je fais all-in. J'ai même pas vu mes cartes, je fais all-in. Ça me fait chier. C'est comme là en ce moment, j'ai fait RT, puis je peux voir combien d'argent on a sur la table. Comme moi, j'ai 1000. Il y en a un qui a 1 800, 1000, 1000, 2900, 925. Là, je peux pas jouer parce que je suis arrivé pendant le tour. C'est comme là en ce moment, là, il y a des bonnes chances qu'il y ait un des deux qui ait un pic puis qui fasse une couleur. C'est pas mal ça que je vois le best. Mais pourrait qu'il y ait. Ben, c'est sûr que lui avait un pic, ça me surprendrait qu'il n'y en ait pas. Non, il montre même pas ses cartes. Il pourrait montrer une des cartes ou les deux cartes à la fin, mais. C'est rare le monde fait ça. Ouais. C'est pas terrible. On va suivre. Même si c'est pas terrible. La voisine va peut-être le regretter. Le bonhomme qui arrête pas de regarder ses cartes, là. Ben la femme qui arrête pas de regarder ses cartes, c'est mon bonhomme. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué. C'est juste une paire de trois. Non, moi oublie ça. Ben attends.
Oublie ça. C'est sûr qu'ils ont un roi ou un 10. Peut-être même deux cœurs en main. Si un autre cœur qui sort, ça va peut-être me faire chier parce que j'aurais peut-être pu gagner avec la couleur, mais tu sais, un 8. Ah ben calisse, j'aurais pu avoir une couleur, mais une couleur au 8, peut-être que les autres ils ont mieux que ça. Et comme il y avait une couleur à l'as, fait que je m'aurais fait battre, même si j'avais la couleur. Fait que j'ai bien fait de pas y aller. Même si j'ai perdu sang. On va y aller, j'ai des meilleures cartes que tout à l'heure. Quatre cents. Ben, je suis là, tant qu'à ça. C'était pas dans mes plans. Ah, oh, shit, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, je m'aurais fait battre. Ouais, je m'aurais fait battre. On va faire un tour de magie. J'avais 1000, je suis rendu à 490, c'est pas bon.
Non, oublie ça. 2-7. Ouais, pourquoi pas. Il doit pas tout le temps avoir de quoi de bon, là. Il y a juste beaucoup de money, fait que. Il veut me faire peur. Sûr que rien. J'ai l'impression qu'on va le regretter, mais c'est encore drôle. On va mettre ça en ligne. Il n'y avait il va mettre un 5 comme d'habitude. Au moins, il fait pas all-in à toutes les shots, mais tu sais, juste mettre un 100, c'est des gros montants. Il va mettre un 100. Ok. Même j'ai des mauvaises cartes. Une chance sur deux. Continuer quand même une paire de 7. Je l'ai pas trop misé fort parce que j'avais pas. Il aurait pas avoir une paire de 10, une paire de valets, mais d'autres chances de paire de dames, de rois, mais beaucoup moins que ces deux-là. Ça me tentait de montrer une carte.
C'est dommage qu'on soit juste deux à table, j'aurais aimé ça qu'on soit un peu plus. Je m'en doutais pas mal qu'elle m'aurait battu. Juste avec son 5, elle me battait. J'imagine pas l'autre carte. On va suivre. Des bonnes cartes. Même s'il y a un 3, mais tu sais, avec l'or, je peux faire une suite. 1, 2, 3, 4, 5. Oh boy, ça pop. Ah, il me manquait un trèfle, puis j'aurais pu avoir une couleur. Un petit pot à gagner. Possibilité de suite, de couleur. Une suite avec une couleur. J'ai l'impression d'être déçu. Comme la plupart du temps. Neuf, dix. Il manquerait deux cartes, mais tiens, il reste deux cartes à sortir. Je peux pas pogner de couleur. Non, moi je me couche. C'est comme là, j'avais rien, là. Même si les deux cartes ont sorti. Comme elle avait une paire d'as. L'autre avait peut-être une paire aussi, mais moins haut. Ah, il y avait une paire de valets. J'ai bien fait de pas y aller. Neuf et huit de trèfle. On va y aller. On va suivre. C'est juste 10. Il se couche. Je suis surpris. Fait que j'ai fuck all. Je peux plus avoir de couleur.
Continue à faire check. Combien qu'il a mis? 65, oublie ça, j'ai rien. On va faire un tour de magie pour passer le temps. Je suis le quatrième à avoir le plus de cash à la table. En ce moment. Mais quoi que, s'il vide quelqu'un complètement, puis la personne a remis un 1000 sur la table, il va me dépasser automatiquement. C'est comme celui qui est sixième, s'il tombe à zéro, après ça, il va tomber à 1000, fait qu'il peut, il va me dépasser. Fait que je tomberai le dernier de la table. Ben, c'est celui qui a le moins de cash. Mais moi, je fais juste, j'ai juste mis un 1000 à la date, là, puis je pense pas mettre plus. Genre prendre un break pour ça, peut-être te remettre un 1000. C'est comme là, lui, il a mis all-in. S'il se fait. Si un des trois autres le bat, ben, il tombe à zéro. Puis s'il a le choix de pouvoir remettre un 1000. Est-ce que je le suis? Non. Il va mettre 300-350. Ah, oui. Je pense que je suis le dernier à parler sur la table. Sept, huit, neuf, dix. Je manquerai une carte puis j'aurai une suite. On va y aller. Moi, j'ai une paire de 8. Mais, tu sais, il pourrait me battre avec une paire de 9 ou une paire plus haute. Mais une paire plus haute, c'est pas mal plus rare. On va y aller. J'imagine qu'il y en a là-dedans qui vont se coucher. Mais quoi que les autres et tout, ils peuvent avoir une suite. C'est ça qui me ferait chier. Au moins j'ai deux paires. Mais s'il y a quelqu'un qui a un 6 parmi eux autres, ils ont une suite. Puis ils me battent.
Ah, je suis sûr qu'il y en a un qui a une suite. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ah, non, ça vaut pas la peine. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui a une suite. C'est chicane. Il y a une suite. C'était sûr. Faites avoir. On va relancer ça. Calice. Non, j'ai rien. Ok, moi je fais all-in. En tout cas, si je l'ai, je vais retourner à peu près à 1000. Trois quarts de 1000. Au 8e. Hey boy. Parce que là, eux autres, ils peuvent continuer, mais moi, j'ai la chance de gagner un 800 si je bats toutes leurs mains. Ben, à ceux qui restent. Ben, à date, j'ai rien. Mais il y a des bonnes chances que les autres. Ils n'ont peut-être pas le 4, le 5. Non, à date, il y a des bonnes chances que je me fasse battre. Des très bonnes chances. Ah, c'est sûr, je me fais battre.
Bien sûr. Il y a des pourcentages que je gagne, mais ils sont faibles. Ils deviennent de plus en plus faibles. Me fait battre. Ouais, fait que j'ai eu ma dose de poker pour l'instant. J'ai été busté. Donc, j'ai perdu 1000. Moi, j'arrête ça là. On va peut-être essayer plus tard. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma défaite. Donc, c'est ça. Salut.